5 idées de business plus rentables que la production de poulet de chair et poules pondeuses en Afrique. 99% des gens pensent que produire le poulet de chair est plus rentable que les autres activités de la chaîne de valeur du poulet de chair ou même les autres activités d'élevage. Produire le poulet de chair demande juste le moins d'investissement au démarrage pour les petits producteurs, bien sûr. En termes de rentabilité, les bénéfices unitaires sont soumis à des forces du marché que le producteur lui-même ne peut même pas contrôler. De façon simple, Galal explique que la rentabilité en agriculture est fondée sur des bénéfices unitaires réalisés qui lui-même ne dépend même pas du marché et des facteurs de production consommés. Plus vous maîtrisez vos coûts, plus grande sera votre marge de manœuvre dans la négociation du prix avec le client. Dans cette nouvelle vidéo, je vous présente 5 idées business plus rentables que la production de poulet de chair et poules pondeuses en Afrique. Mais avant cela, vous pouvez nous donner un like à taper sur le gros pouce bleu, de t'abonner si vous n'avez pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Car d'ailleurs, je vais vous montrer les secrets des plus grands éleveurs agriculteurs pour vous aider à augmenter au maximum vos bénéfices. Donc, likez, abonnez-vous. C'est pour juste après l'intro de la chaîne. C'est la livraison du maïs aux provenderies. Le maïs est le principal ingrédient de la production d'aliments de poulet de chair. Dans chaque tonne d'aliments produits, on trouve au moins 500 kg de maïs. Là, vous allez trouver les producteurs qui produisent des grandes quantités de maïs puis signer des contrats d'achat avec eux. Ensuite, vous allez trouver un aval dans les provenderies où les grands producteurs et accordez-vous sur les modalités de collaboration gagnante-gagnante. Après, vous allez trouver les camions pour transporter votre marchandise d'un point A vers un point B. Les marges par unité ne sont pas importantes, mais en vendant 50 tonnes par mois, si vous gagnez 25 francs par kilogramme, vous gagnerez alors une fois 25 fois 50 000 kilogrammes, vous allez être à 1 250 000 francs CFA. Galal explique que 10 000 poulets consomment par cycle en moyenne 20 tonnes de maïs. 10 000 poulets consomment par cycle environ 20 tonnes de maïs. 50 tonnes ne représentent rien en comparaison aux besoins du secteur, vous voyez un peu. C'est tellement pour ce secteur. Donc, vous allez juste entrer dans les villages qui sont un peu reculés là. Vous allez peut-être même souvent acheter même le maïs au moment. Vous voyez un peu. Allez stocker chez vous. Et vous allez maintenant signer les contrats avec les provenders. Vous allez juste maintenant les livrer le maïs chaque semaine, chaque mois. Vous voyez un peu. Vous achetez le maïs dans les villages et vous venez en ville les revendre aux provenderies. C'est un peu de ça qu'il s'agit ici. Deuxième business, c'est la livraison de tout le soja. Le tout le soja comme le maïs est un intrant important dans la production d'aliments de poulet de chair et poules pondeuses. Il est moins consommé que le maïs, mais il coûte plus cher à l'unité que l'unité de maïs lui-même. Ici, les marges sont beaucoup plus importantes que ceux du maïs. Si vous utilisez la même méthode que celle du maïs, vous allez gagner de l'argent avec le moins de risques sanitaires possible. Car là, on va parler de ventilation, si vous êtes en train de livrer, on va parler de prophylaxie, on va parler de maladie des poulets de chair, on va vous parler que non, vous avez mal fait ici, vous avez mal fait cela, ça va causer la mortalité de vos animaux. Non, vous allez sur dans les villages où on produit tout le soja, où on produit le maïs, vous achetez là-bas moins cher et vous revenez en ville, vous cherchez des provenders, vous allez revendre. Là, c'est plus facile parce que quoi, actuellement, il y a pénurie de tous les intrants en élevage et en agriculture, vous voyez un peu. Donc, si vous trouvez déjà une place où on vend le maïs moins cher et vous revenez en ville avec ce qui est sûr, 75% des provenders que vous allez aller proposer vont acheter. Parce que c'est maintenant rare. Avant de passer au troisième, tiens à vous rappeler que vous avez les fiches de prophylaxie à base de produits chimiques et plantes médicinales. Là, à l'intérieur, vous avez tout ce qu'il faut donner aux poulets de chair, aux poules pondeuses, jusqu'à y grandir, jusqu'à la maturité, jusqu'à la fin de la ponte chez les poules pondeuses. Je m'explique. Chez les poulets de chair, nous avons la fiche de prophylaxie du 1er au 45e jour. On a ce qu'il faut donner au 1er jour, 2e jour, 3e jour. S'il faut donner les vaccins, on a les différents vaccins avec les types d'exemples que vous pouvez facilement trouver sur le marché. Si vous donnez les antibiotiques, nous avons les antibiotiques avec les différents exemples qu'il faut trouver sur le marché. Si vous donnez l'anticoxydien, nous avons les différents anticoxydiens que vous trouvez facilement sur le marché. Nous avons également la fiche sur la quantité de nourriture que vous pouvez consommer un poulet de chair par jour. Du 1er au 45e jour, également chez les poules pondeuses, nous avons la fiche de prophylaxie que doit consommer une poule pondeuse de la première semaine d'élevage jusqu'à la dernière semaine de ponte. Vous voyez un peu. Nous avons également les formules d'alimentation tissu pour poulet de chair. Et pour poules pondeuses, chez les poulets de chair, c'est pour qu'ils aient un bon poids en moins de jours. Imaginez un peu une formule qui vous permet d'avoir peut-être même 2,5 kg, 2 kg de kilogrammes dedans pour moi en 35 jours. Vous voyez un peu, en moins de temps, vous avez de très bons poulets. Et chez les poules pondeuses, nous avons les formules d'alimentation qui permettent de booster leur ponte, qui permettent d'augmenter le taux de ponte. Naturellement, pour ceux qui sont intéressés par les fiches de prophylaxie, par les formules d'alimentation, tubos,
Pas les fiches d'attention de nous. Tu peux nous écrire au numéro 194 13 63 35. Je répète, le numéro WhatsApp, plus 237 694 13 63 35. Le troisième business qu'on va maintenant aborder, c'est la livraison du Toto d'arachide. Comme le Toto de soja, le Toto d'arachide est essentiel dans la production de poulet de chair et de poules pondeuses. Il est aussi moins utilisé que le maïs, mais présente des marges plus élevées que le maïs. Si vous utilisez la même méthode que celle du maïs, vous allez gagner aussi beaucoup d'argent dans ce secteur. Et le quatrième business, c'est la livraison de la farine de poisson. La farine de poisson est comme le Toto de soja, elle est comme le Toto d'arachide, mais une source importante de protéines. Elle est très importante dans l'alimentation des poulets de chair et des poules pondeuses. Elle coûte plus cher que les autres intrants tels que le maïs, le soja, mais pas comme le prémix ou les concentrés. Là, on a toujours fait la même méthode de chercher les produits de farine de poisson, utiliser la même méthode que celle du maïs. Et en cinquième position, nous avons la livraison des prémix et des concentrés. Le prémix est un additif alimentaire fait de minéraux, de vitamines et de probiotiques. Le concentré est un additif alimentaire composé de protéines et de prémix. Ces éléments entrent dans la composition de, ou la formulation des éléments, des aliments d'aliments de poulet de chez autant pour moi. Si vous décidez de vous positionner sur la livraison des prémix ou des concentrés, vous allez gagner bien plus qu'un petit producteur de poulet de chez, même plus qu'un grand producteur de poulet de chez si vous livrez en quantité. Mais comment vous allez faire? Vous allez chercher en Europe les entreprises qui produisent les concentrés de haute qualité des prémix pour volailles. Vous me cherchez sur Facebook, sur Google. Puis vous allez chercher à contractualiser avec elles. C'est-à-dire que vous allez signer des contrats. En même temps, dans votre pays, vous allez commencer à faire la promotion des produits auprès des éleveurs. Ce travail est difficile au début, mais ça va vous coûter aussi beaucoup d'argent pour le marketing. Mais enfin, dès que les gens vont adopter votre produit, vous allez livrer de façon permanente et gagner beaucoup d'argent avec cela. Si vous avez aimé, je vous prie de me donner un like, d'abord sur le gros pouce bleu, de vous abonner. Si vous n'avez pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Regardez les prochaines vidéos pour montrer les secrets des plus grands éleveurs agriculteurs pour vous aider à augmenter vos bénéfices. Donc, likez. Abonnez-vous, surtout n'oubliez pas de partager aussi. Tous les agriculteurs le savent, avoir le bon poussin est primordial pour la réussite d'une bande de poulets. Ça fait plusieurs années que je travaille avec ce sociétés au nom de Navet qui fait dans la livraison et la production des poussins de 1 jour, les poussins de 21 jours, de 45 jours et plus. Cette société livre plusieurs sujets de poussins et comme par exemple nous avons les Ross 308. Il faut également dans la production des aliments de qualité pour poulets de chair, pour poules pondeuses, pour poules locales, pour les porcs, les lapins, les poissons, les chiens, et également la vente des produits vétérinaires, que ce soit les vaccins, les médicaments. La particularité avec ces sociétés est que leurs poussins viennent d'un bon pouvoir. Ils livrent à temps. Leurs poussins ont les yeux secs, propres, clairs et lumineux. Leurs poussins ont un bec propre, sans points rouges et sans malformation. Leurs poussins n'ont pas les articulations gonflées et ont un abdomen propre et sec. Leurs poussins placés sur le dos sont capables de se mettre debout dans les 3 secondes qui suivent. Ces sociétés livrent dans plusieurs villes de Cameroun telles que Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bamenda. Pour ceux qui sont intéressés par ces poussins, vous pouvez nous écrire au numéro 194 13 63 35. 694 13 63 35 pour ceux qui sont intéressés. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas ou qui ne sont pas à l'intérieur, nous avons créé un groupe d'entraide entre éleveurs et agriculteurs. C'est un groupe où nous échangeons uniquement élevage et agriculture. Nous avons regroupé les agriculteurs, les cuniculteurs, les porciculteurs, les agronomes, bref, les éleveurs et agriculteurs pour promouvoir l'agriculture et l'élevage ensemble. Comment fonctionne le groupe? Les agriculteurs posent les questions, les membres répondent. Les membres posent les questions, les administrateurs répondent. Donc c'est un groupe, c'est vice versa. Et chaque jour, les administrateurs, c'est un conseil qu'ils envoient dans le groupe. Ils envoient, c'est un conseil dans nos différents groupes WhatsApp. Les membres répondent, s'ils ont des questions, ils posent. Et si vous rencontrez aussi des problèmes dans votre ferme, vous pouvez également poser. Peut-être que vos poulets sont malades, vos porcs sont malades, ou vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez directement écrire dans le groupe WhatsApp. Et les administrateurs et d'autres membres du groupe vont vous aider à répondre. Si vous avez vos poulets, vos porcs, vos lapins, vous n'arrivez pas à vendre, vous pouvez également postuler dans le groupe et on va vous aider à trouver les stratégies marketing pour écouler vos sujets. Donc, pour intégrer le groupe, c'est très simple. Vous vous abonnez à la chaîne. Vous envoyez votre capture d'écran au numéro 694 13 63 35. Pour intégrer le groupe, vous vous abonnez à la chaîne. Vous faites une capture d'écran, un screenshot de votre abonnement. Vous envoyez le numéro 694 13 63 35 et la personne se chargera de vous ajouter au groupe.